m'appelle Lynn Mec. Ça fait 47 ans, je suis à la Cité Adeline. Cité Adeline, oui. Oui, c'est la Cité Adeline, c'est ce qu'on appelle la Cité Adeline. C'est une donation qui a été faite à la ville par la famille Adeline. Voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. La Cité Adeline, elle est considérée comme moitié campagne, moitié ville, hein, puisqu'on a la chance d'avoir des espaces verts. Et puis bon, puis ils ont amélioré quand même au niveau des logements. On a fait mettre des toboggans, qu'on a fait mettre des balançoires. Il y a tout ce qu'il faut. Je m'appelle Joëlle, j'ai 62 ans. Cela fait 34 ans que j'habite à Saint-Hippolyte, près de Michelet. Alors, je m'appelle Julie, j'ai 35 ans. J'habite rue Créton, à côté de l'école Michelet depuis 4 ans maintenant. Alors, ma fille va à l'école Michelet à pied. C'est juste à une rue à traverser de la maison, ce qui est très pratique. Et mon travail se trouvant en centre-ville de Lisieux, j'ai investi dans une trottinette électrique et je me rends au travail en trottinette. Ça évite de prendre la voiture. J'assiste régulièrement aux sorties de l'été pour voir des spectacles en ville. Et j'adore la musique, tout ça, tout ce qui est musique. Et on aime se retrouver tous ensemble avec les gens du quartier pour organiser les sorties. Sorties aux eaux, les parcs d'attractions, les sorties plages. Et visite la basilique en août jusqu'au dôme, très belle sortie. On découvre les hauteurs de Lisieux. Je m'appelle Philippe, je vais avoir 70 ans. Je vis à Hauteville, j'aurais jamais pensé y habiter. Puis voilà, ça fait 20 ans que j'y suis et croyez-moi, je n'ai pas du tout envie de le quitter. Alphonse Allais avait imaginé la ville à la campagne. Hauteville, c'est ça. En quelques minutes, je me promène à pied sur le parcours sportif, dans l'arboretum, ou sur les chemins piétonniers, chez mon médecin, au pôle santé, à la pharmacie, à ma banque ou dans les différents magasins des centres commerciaux. Bref, on est à Hauteville comme dans un village et tout le monde se connaît. Je m'appelle Josiane, j'ai 56 ans. Je suis née dans le quartier de la caserne d'Olonnais. Je m'appelle Gilles, j'ai 54 ans. Ça fait 22 ans que j'habite le quartier Nord. Préparation faite des voisins. Donc, des fois, je prépare le couscous pour 30, 40 personnes. On fait ça dehors, on met les tables, on met les chaises, on fait des karaokés, on fait des jeux, on fait tout, quoi. Moi, j'aime le bricolage. Donc, j'ai participé au montage du décor pour le spectacle de fin d'année. Je participe à la chorale cette année. Je m'appelle Christophe, j'ai 42 ans. J'habite dans le centre-ville de Lisieux, j'ai deux enfants. On se promène de temps en temps, le fait d'habiter à Lisieux, le mercredi après-midi. On va régulièrement au jardin public. Surtout en été, le jardin est magnifique, bien fleuri, bien entretenu. Et c'est vrai que c'est assez, quand même assez agréable. Bah, c'est vrai que les commerçants, à Lisieux, c'est quand même assez pratique, parce que je trouve tout ce qu'il faut. Sans forcément prendre la voiture, puisque j'ai tout type de commerce. J'ai mon médecin qui est en centre-ville, donc je peux tout faire à pied. Et puis le samedi matin, on se fait un petit plaisir, on va au marché régulièrement, tous les samedis matins, avec ma femme et les enfants.